Monsieur le commissaire, en acceptant ce poste, j'acceptais aussi le très lourd de responsabilité, savoir diriger les hommes, pas seulement des hommes, mais des hommes en armes. Il va falloir savoir comment vous êtes. Je sais que heureusement, vous avez le concours du représentant de l'exécutif, la personne de M. le délégué qui est ici présent. Vous avez aussi le concours de la justice, la personne du doyen qui est là. Vous allez le voir vous arranger. Pour, en tout temps et en toutes circonstances, ne pas déléguer de leur appréciation. Arrangez-vous pour que le doyen, l'appareil judiciaire, puisse reconnaître à vous quelqu'un qui représente effectivement la police dans le département, mais qui comprend aussi le rôle et de la police et de la justice. A besoin de vous répéter que l'appareil judiciaire, les autorités judiciaires sont vos supérieurs hiérarchiques immédiats. Vous devez tout aux instances judiciaires du département. Et vous enverrez aussi à vos différents responsables de commissariat et sous-commissariat de reconnaître qu'ils relèvent de l'autorité judiciaire. Je sais que vous avez déjà fait expérience un peu partout. Et en tant que leader départemental, je pense que c'est votre premier poste. En ce sens, vous allez avoir besoin de puiser dans les archives. Puiser dans le sens de responsabilité que vous aurez à appliquer et de la façon de vous arranger avec tous ceux-là qui sont concernés. Je parle de la délégation, de la justice, de la MINUSTAH et de tous ceux qui vous ont précédé ici la demande. Sachez que votre échec, c'est l'échec du département. Je n'espère pas que le département aura, plutôt que vous connu, l'échec peut-être par votre manque d'expérience. Si jamais il y a manque d'expérience, puisque vous avez déjà côtoyé le nouveau responsable, et cela, je pense, peut guider vos pas pour vous permettre de faire le pas. Mais si jamais il vous manque quelque chose, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les autorités locales elles vont être là, et moi, votre serviteur, je vais être là aussi, pour répondre au nom de la direction générale à tout professionnement. Allez-moi. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, s'il se passe quelque chose que vous n'avez pas su trouver, les conseils, les directives qu'il faut sur place, appelez-moi. Il m'est toujours difficile de parler après des gens aussi avisés, parce qu'ils ont déjà tout dit. Mais je ne vais pas les répéter. En termes d'expérience, j'ai déjà commandé deux plus grands arrondissements du département, à savoir l'arrondissement d'Aquin et l'arrondissement de Caille. Et j'ai eu beaucoup de collaboration des policiers. Et durant mes trois jours de responsable par intérim du département, tous les policiers ont déjà fait montre d'une parfaite collaboration. Ainsi, je vous conseille de continuer cette collaboration parce que je suis un jeune comme vous et ma réussite sera aussi la vôtre. Il est temps pour nous de démontrer ce que nous pouvons faire et de montrer que notre génération est capable de mener la barre de la police nationale, que ce soit sur le plan régional et dans d'autres situations. À vous tous, je vous dis merci et bonne chance surtout à vous. Thank you.